Bonjour tout le monde, ici GA2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Metroid Prime. Dans le précédent épisode, nous avons parcouru Fandrana un peu dans tout... Fandrana, le jeu dans tous les sens pour récupérer un maximum d'objets, et j'ai le regret de vous annoncer qu'on va faire pareil dans celui-là aussi. Cependant, dans le précédent épisode, j'ai pas mal accéléré, et je me suis dit qu'il était temps que j'arrête un petit peu. Donc, je vais moins accélérer, mais je vais avoir tendance à davantage couper. Donc, pour commencer, on a quelques objets à récupérer ici. Et puis après donc on va repartir dans les ruines Kozo. Pour ceux qui s'inquiètent, ça va être parmi les derniers, peut-être l'un des derniers, peut-être même l'avant-dernier épisode où je récupère du stuff. Parce que là on a accès à quasiment tout, faut bien comprendre. Il reste les mines Phazon ou bien entendu les mines de Phazon, désolé. Où je peux récupérer encore un certain nombre de choses que j'ai pas fini d'explorer et il me reste quelques objets. Et bien entendu, le dernier artefact blablabla du jeu se récupère après avoir battu le boss des ruines. Je veux dire, c'est quand même des ruines, des mines Phazon, c'est quand même logique, quoi. Je veux dire, il y a un boss là-bas, faut quand même le défoncer avant. Même si je suis sûr que des Sequence Breakers ont réussi à le faire sans, mais je suis très loin d'en être capable. On peut prendre le viseur écho qui nous permet d'ailleurs... Le viseur à écho, non, pas vraiment. Le viseur à rayon X qui nous permet de voir ces choses. D'ailleurs, j'en ai buté une et je vais... J'en ai buté une autre involontairement. Je suis trop loin. Ah, j'espère que j'aurai assez de bon boule morphing. Ouf. Bien, bon, peu importe. Ça, là-bas, je l'avais déjà récupéré. Donc, on va se rendre... Déjà, on va reprendre ce truc-là vu que c'est la seule chose qui soit efficace contre eux. Et je préfère m'en débarrasser. Donc, on va juste récupérer quelques stuff qu'il y a. Alors, là, on en est à genre 78 ou 79%. Donc, comme vous pouvez le constater, on s'approche beaucoup de la fin. Surtout qu'il nous reste vraiment que les... dans les mines Phazon, on était déjà très avancé. Donc, honnêtement, ouais, le jeu, pour moi, encore 3-4 vidéos et c'est fini. Donc, vous voyez, c'était pas si long que ça. Surtout comparé à Metroid Prime. Surtout comparé avec Tales of Symphonia. Je suis très attentif ce soir. Je vais essayer de mieux parler. De toute façon, après, si mon commentaire était bon, ça se saurait, bref. Ici, donc, on n'a pas grand-chose à récupérer. Je vais juste me débarrasser de ces choses, parce que... Moins elles sont présentes, mieux je me porte. Ici, donc, une fois qu'on a le rayon de plasma, on peut venir jusqu'ici et tirer sur cette créature, libérant donc les mains de la chose. Si vous scannez, ça vous dira, les mains de cette créature sont prisonnières dans la glace, et j'ai raté mon saut. Oh. Heureusement que ce qu'il y a dedans, vous en aurez besoin qu'une fois. Hein. Parce que si vous voulez cacher ça pour d'éventuels futurs arrivants. L'artefact du soleil planqué dans une chambre souterraine dans la glace. Ouais! Il n'en manque plus que 3. Je me souviens de la localisation d'au moins 2 d'entre eux. Est-ce que je vais avoir oublié le troisième? Je sais plus où il est. Ah non, non, j'ai rien pris. Je me souviens plus exactement où il est, mais ça me reviendra peut-être. Bref. Oh non, vous savez quoi, je vais pas couper, puisque de toute façon, le chemin que j'ai emprunté, il est limite en ligne droite, donc... j'ai pas vraiment de détour à faire, donc... Geronimo! Aïe. Donc on va commencer à retourner aux ruines Kozo pour continuer à récupérer. Alors j'en suis à combien là, actuellement, d'objets? Je dois avoir atteint les 80%, j'en suis à 80% exactement, ouais. Donc, comme vous le constatez, ça avance bien. Alors, ces murs de glace ne sont pas destructibles, bien entendu. De toute façon, là, il me semble qu'on a eu quasiment tous les trucs qu'on pouvait détruire avec le rayon de plasma en termes de glace et compagnie. Donc, c'est déjà pas mal, je trouve. Mais pour le reste, ouais, on va devoir retourner aux ruines Kozo, où il y avait justement des objets à récupérer depuis un bon moment que je pouvais pas atteindre. Ils nous narguent depuis le début du jeu, donc ça va faire plaisir. Oh, oui... Où peut être ce dernier artefact? Honnêtement, là, comme ça, ça doit potentiellement être au... Peut-être à Magmor, effectivement, parce que j'ai pas récupéré tant d'artefacts à Magmor, j'en ai récupéré genre 2. Au revoir. Je crois qu'il a essayé de décoller alors qu'il était en train de s'auto-détruire. Enfin... j'ai pas envie de le tuer, parce que de toute façon, il sert à rien. J'ai visé trop court. Non. Il est super, vraiment trop fort.
Je crois que c'est par là que je vais aller. Oui, je crois bien que c'est ça. Vous, je vous ignorerai, parce que si on vous ignore, vous faites rien de bien. Donc hop. Enfin, rien de méchant, surtout. Et nous allons... Ah oui, c'est là, bon. Ah oui! Il y a quelque chose, ici. Eh, il a réussi à me tirer dessus alors qu'il était en train de... disparaître dans un relan de magma. Il y a un truc ici, je l'ai failli l'oublier, tiens. C'est pas un artefact, je crois. C'est un artefact? Non, c'est pas un artefact. Passons. Viseur. Détruisez ces trucs-là et... Oh, regardez. Une plateforme. Une autre plateforme. Encore une plateforme. Par contre, ouais, dépêchez-vous éventuellement, parce que vous n'avez pas toute la journée. Bref, juste une simple réserve de missiles, mais, hey, 200 missiles, déjà. Pour rappel, il y en a genre 255, donc, on commence à s'approcher de la fin. Alors, par contre, j'ai récupéré le rayon plasma, parce que, quand bien même, c'est, on est dans une zone pleine de chaleur, ça reste un bon coin. J'adore le fait qu'on puisse sauter ce genre d'obstacle, désormais, sans aucune difficulté, soit dit en passant. Bref. Donc, ouais, je pense pas... qu'il y ait grand chose qui nous reste à faire actuellement, mais ou peut-être ce dernier artefact. Je dois avouer que je suis pas sûr. Enfin, ça se devinait vu que j'ai déjà dit que je n'en étais pas sûr. Ah oui, toi t'es marrant, tu vis dans la lave toute la journée, mais tu meurs quand même vachement bien avec le rayon de plasma. Pourquoi pas? Qui aurait cru qu'ils vivaient dans leur pire ennemi? Alors eux par contre ils s'en fichent hein, du rayon de plasma. Mais moi aussi je m'en fiche, j'ai beaucoup de vie donc je peux les ignorer. Donner en cours de... Merci, je sais qu'il faut que je retourne aux mines de Phazon. Rare spécimen. Oui merci, je sais. Bon, tant pis. C'est pour vous dire, attention les quartiers d'élite, il y a un truc à y faire. Mais j'ai pas envie d'y aller maintenant puisque ben c'est un peu là où se trouve le boss en fait de la zone. Ouais, wow, révélation majeure. Donc comme j'ai pas nécessairement envie de trop m'enquiquiner à aller affronter le boss maintenant, parce que je peux finir de récupérer des objets et en soi ça sera fait, puisque c'était l'un des rares reproches qui était fait à Metroid Prime. Essentiellement le fait qu'il fallait vraiment tourner dans tous les sens, repasser à droite et à gauche pour récupérer tous les objets, etc. Et pour beaucoup c'est frustrant, je vais pas mentir, ça peut prendre un certain temps, mais bon, moi je sais où ils sont, pour la grande majorité d'entre eux. Bah là, il m'en manque à peu près une vingtaine, je sais pas où tous se trouvent. Il me manque 3 artefacts, un objet qui est lâché automatiquement par le boss des mines, donc ça c'est fait. Il manque 16 items, il manque une dizaine de missiles, ouais, bon. Bah écoutez, c'est pas par là que je veux aller. Non, je garde l'Orient Plasma, je vais tomber de bouton. Non, c'est pas du tout par là que je veux aller. Ouais, non, je suis obligé de repartir. Ah, tant pis. On va prendre le chemin qui est le plus court. Zut. Ici, je l'ai bloqué, donc il est reparti en haut. Zut. Allez, plus vite. Il y a des gens qui veulent voir du progrès, et c'est pas comme ça que je vais pouvoir en faire beaucoup. Chargement. BAM! Ce rayon est bizarrement puissant en fait. Enfin, il doit avoir à peu près la même puissance que le rayon de glace ou très légèrement moins, mais... Bref. Maintenant que je suis revenu ici. Alors, normalement, il me semble que c'est effectivement par là. Oui, il me semble que c'est par là. Bon, je me suis planté, c'était pas par là. Ouah, 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 ouah. Bref, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. De toute façon, j'ai coupé, donc voilà. Bref, on va passer plutôt par là, qui est la vraie entrée. On va speed up, parce que sinon... Enfin, pas vraiment la vidéo, mais je veux dire, on va prendre la boule morphing pour aller plus vite. Surtout pour essayer d'éviter les ces machins choses. Voilà, c'est ici que je voulais aller. Donc j'ai déjà récupéré la réserve de missiles ici, mais la raison qui me faisait venir ici, c'est ça. Derrière, par là-bas, si vous vous souvenez, j'avais dû la montrer extraordinairement brièvement au tout début du jeu.
Voilà. Ici, malheureusement, on ne pouvait rien faire. Mais maintenant, on a le grappin. Alors, je sais pas pourquoi une zone pareille est disponible si tôt alors qu'on peut rien y faire. Et derrière, vous voulez placer une bombe de puissance. Ouais, ouais, carrément, une bombe de puissance. Pour récupérer deux éléments, primo. Et secondo, ceci est le dernier écrit Kozo du jeu. Donc, voilà, on a quand même pas mal progressé. Le pouvoir de notre temple et des 12 artefacts a scellé le mal dans les profondeurs de cette planète. Cependant, notre lot est de vivre dans un univers lugubre où de sombres apparitions errent dans les ténèbres. Sous le voile, une image se dessine dans la brume, vacillant dans le paysage tel un spectre. Il s'agit d'un humain, un être solidaire resplendissant dans les ombres toxiques. Nous ignorons tout de cet être, mais nos cœurs s'emplissent d'espoir à la vue de cette lumière. Notre mausolée sera le garant de notre foi. C'est là-bas que nous trouverons quand la lumière éclairera notre terre. Donc, 80% d'analysés. D'ailleurs, les rapports des pirates, il m'en manque 1, 2, 3... Il m'en manque 5, je crois. Non, juste 3, donc je pense que je les aurai tous. Et eux, je les ai tous. Niveau créature, je vais pas trop regarder, mais voilà. Il manque quelques artefacts, mais les artefacts, de toute façon, c'est complété au fur et à mesure que vous les récupérez au pire. Alors, ici également, nous avons l'un des objets les plus moches qu'ils aient jamais pu faire. Si vous regardez sur la carte, il n'y a rien de spécial. Yup. Cette zone n'est pas indiquée sur la carte. Et comme vous pouvez facilement le constater, c'est dissimulé par par des feuilles et de ça. Comment vous voulez voir ça, honnêtement? Le seul moyen que je peux voir, éventuellement, c'est avec les rayons X. Y a pas moyen de le voir ici, il faut vraiment le deviner, chercher dans tous les sens. Ça, c'est l'un des objets pour lesquels j'ai été obligé d'utiliser un guide, parce que je l'avais jamais trouvé moi-même. Bref, vous connaissez la musique. Non, je vais garder rien de puissant, c'est ça que je veux. Alors, ils ne sont que deux, et avec le super missile, normalement... Vous ne devriez pas avoir de problème à vous débarrasser de le super missile. Avec le super missile et avec le viseur, vous devriez avoir strictement aucune difficulté et aucune excuse. Faire cela va ouvrir ces deux machins. Chose, truc, bidule. Et comme vous pouvez le constater, notre récompense est bien visible. Hein. Il se moque pas de nous là sur le coup. Boum. Donc celui-ci va nous ouvrir la porte pour qu'on puisse s'en aller. Mais vous êtes un peu fou si vous vous contentez de vous en aller. Car activer celui-ci va révéler cette zone-là. Le compte à rebours est pas génial. Hein. Honnêtement, ils n'ont pas été très sympas. Mais heureusement, bon, normalement ça suffit. Faites attention à ne pas tomber malencontreusement à cause du changement d'angle. Et récupérer l'une des dernières réserves d'énergie du jeu. À vue d'œil, il m'en manque il m'en manque deux, je pense. Je sais où est l'avant-dernière, mais je sais plus où est la dernière. À côté, j'œuvre de mémoire pure, donc bon. Ici, petite énigme assez tranquille à la base de piston. Attention, bien entendu, à ceux qui descendent. Parce que sinon, vous allez prendre de terrifiants dégâts. J'ai dû prendre 3 points. Oh non! C'est un peu la facilité de ce jeu. Je me souviens que c'était peut-être un des reproches qui avait été fait à ce jeu. Trop facile. Doucement. Non, parce que j'ai pas confiance en le jeu. Bref. Ici. Yeah! Donc, comme vous pouvez le constater, ça continue à monter bien vite, hein. Alors, je vais être obligé par contre, attendez, par quel chemin il fallait passer à l'origine? Vestige de la fontaine, arboretum. Ça ennuie. Bon, je vais vous retrouver au hall des anciens qui se trouve ici. Car, on a quelques... Tiens, j'avais jamais pris un passage, ce passage-là. Bon, ok. Bref, je vais vous retrouver au hall des anciens.
Je pense que vous savez où c'est à force, et sinon, ben désolé, mais... Oh, attends, attendez. Non. Je vais aller au hall des anciens après, car il y a un truc que je peux aller récupérer d'abord, et je pense que ce sera légèrement plus rapide de faire ça en premier. Bien, je vous retrouve ici sous forme de bull morphing afin d'ignorer ces choses. Stop, j'ai pas envie, merci Aurore. Je vous avais dit qu'à un moment, à force, ils allaient arriver partout. Alors, j'avais même pas exploré ce couloir parce que c'est vrai que j'ai jamais besoin d'en servir plus que ça. Ici, comme d'habitude. Salut toi, alors ça sert à rien de leur tirer dessus dès le début, de toute façon ils vont traverser le sol. Donc, un super missile. Un tir chargé ou une multitude de petits tirs parce que j'ai raté mon tir chargé et que j'ai la flemme de le concentrer. Waouh! Eh oh, personne ne me passe au travers. Voilà, le deuxième. Ils sont beaucoup plus faciles à vaincre une fois qu'ils sont visibles constamment. C'est vraiment juste le fait qu'ils n'arrêtent pas de se déplacer et qu'ils soient beaucoup aussi. Ça n'aide pas, bref. Maintenant qu'ils sont tous décédés dans des souffrances intolérables, même s'ils sont des fantômes et qu'ils ne doivent pas souffrir particulièrement. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est pour ce truc-là. Activez le dernier de ces cercles machin chose. La statue va se déplacer. Alors bizarrement, il vous demande le rayon de glace pour ouvrir cette porte. J'imagine que c'est une protection contre le... Sequence breaking, parce que je crois qu'il y en a certains qui font le jeu sans avoir le rayon de glace. Je sais pas, j'ai jamais été très sequence break. Et le voilà. Donc avec ça, nous avons presque autant d'objets récupérés qu'il n'est que de... Waouh, on est éjecté automatiquement. Après, j'ai l'impression que ça m'avait sauté directement, mais bon, peu importe. On a presque autant d'objets récupérés que d'objets analysés, ce qui est plutôt sympathique. Bref, je pense avoir récupéré la majorité de ce que je pouvais. En vérité, il me doit me manquer probablement quelques trucs ici ou là, mais ça fera pas l'objet d'une vidéo. C'est quelques objets qui me manquent parce que j'arrive pas à les retrouver. Ils seront récupérés... À part rapido, mis en début d'une vidéo ou je sais pas, en fin d'une vidéo, j'en sais rien en fait. Et de là, donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à Magmor, je pense. Car pour rappel, on avait un ascenseur pour les mines du Phazo. Et de là, donc je pense que je vous retrouverai à cet endroit-là, justement, pour qu'on puisse décider de ce qu'on fait ensuite. En fait, on va retourner aux mines de Phazon et on va récupérer les quelques objets qui nous manquent avant de progresser en direction de la chambre du boss. Donc, je vous retrouverai devant ce fameux ascenseur. Donc d'ici là, ciao !